Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée en live. Ce soir, on découvre un nouveau jeu, ça me fait plaisir, ça fait un petit moment que j'attends, je suis content qu'il soit enfin sorti. On va découvrir Forza Horizon 5, ça va être cool. Dernier stream de la semaine, du coup, on va y jouer pendant quelques lives, hein, je pense, au moins une dizaine de lives, comme on avait fait pour le 4. Bonsoir Hugo, comment vas-tu? Ça va bien, moi, merci, impeccable. C'est le week-end, donc ça peut que aller. Voilà, et puis bah, du coup, on va passer assez vite sur le jeu, je pense. Hop. Ça va également? Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi, en tout cas, pour ce Forza. Pendant la semaine, je vous avais parlé du fait que j'étais pas sûr de l'avoir aujourd'hui. En fait, il a fallu que j'achète le pack d'expansion, donc le Season Pass, en gros, pour le Game Pass. Pour pouvoir avoir aujourd'hui Forza, et comme ça, ça permet d'avoir directement les deux DLC à un prix réduit. Donc voilà. Donc les deux extensions qui sortiront, on pourra les faire également. Alors, on va faire des petits réglages avant de commencer à jouer. Premier gameplay de FH5 que tu regardes. Bah, j'avoue, je ne l'ai pas regardé non plus. Ah! Alors, attendez, j'ai un petit problème. J'espère que je peux régler ça là. J'ai peut-être un petit problème là. Ouais, j'arrive. Ouais, deux petites secondes. Non, pas la facecam. Celle-là. Hop. Hop. Désolé, j'ai un décalage entre le son et l'image. Ok, c'est mieux. Ah, j'ai pas réglé du coup, j'ai pas lancé le jeu. Donc c'est pour ça que le son est un peu fort, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas l'impression de pouvoir le régler d'ici. Ok, c'est pas grave. Ah, paramètres. Hop. J'avoue que ouais, je l'ai pas réglé non plus. Donc. C'est pas ça. Pourquoi je vois pas où il est le son? Attends. Ah, ok, si, c'est ça. Je vais regarder si c'est la radio ou l'IU. Ok, donc c'est bien le volume de la radio, donc on va la mettre à 60, ça devrait pas être mal. Et j'avoue que j'ai pas regardé de gameplay non plus. Donc ça va être aussi une découverte pour moi, ce jeu. DJ radio, klaxon, microphone, on s'en fout. Mode streamer, moi je m'en fiche un peu. On va faire un premier live sans l'activer, le mode streamer. Ouais. En fait, je vais essayer une fois et puis on verra si je me prends un strike ou pas. Au pire, j'enlèverai les rediffs. Désolé, hein, du coup, j'avoue que j'avais pas lancé le jeu du tout, donc c'est pas pour les copyrights. Oh, si, c'est ça. C'est ça, mais j'ai envie d'avoir les bonnes musiques, en fait. Et on va se mettre en mode qualité. 30 images secondes, mais qualité supérieure. On va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? C'est parti, du coup, pour Forza Horizon 5. Bon, c'est les touches habituelles. Cheers. C'est parti pour l'intro. En général, enfin, l'intro, elles sont souvent sympas. Et j'ai oublié de le préciser, mais je joue sur Xbox Series X. Un jeu Xbox Game Studio. The Playground Games Adventures. Ça va être un peu fort le son, il faudra que je baisse après. Mais on va se garder l'intro fort parce que c'est sympa quand même. Thank you.
foyer. Le plus bel endroit sur Terre. Où chacun est le bienvenu. Ensemble, nous pouvons découvrir la beauté et les merveilles du Mexique. Profiter de la liberté. Se sentir vivant. Allons ensemble en tant qu'amis. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend? Mon ami, j'ai appris une chose avec Horizon. Parfois, il faut se laisser aller et profiter de la balade. Alors c'est très beau hein, déjà. À voir en jeu. Ah, on va faire un Fast and Furious. Ça sent le Fast and Furious ça. Ouais. Effectivement. Allez, c'est parti du coup. On saute de l'avion, c'est parti du coup pour Forza Horizon 5. Coup de chaud sur l'asphalte. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est beau, parce que là maintenant c'est en jeu. Bienvenue. Allez, c'est parti. Mexique. Bienvenue au Mexique. On se voit là-bas. Hervé, pour changer de caméra. Suis cette voiture et fais-moi confiance. C'est du Forza Horizon, hein, ça saute dans tous les sens. Ok, il n'y en avait que deux. Voilà. Ouah, comment on voit trop loin. Il va peut-être y avoir un peu de trafic. Fais bien attention. Tu te fais de nouveaux amis? Amuse-toi bien. Moi, je dois faire une autre livraison. Ok, on change de voiture. Ah, nice. Zone de largage en approche. Ça sent bon, le sable chaud. C'est quoi, c'est une Corvette ça, non? Ouais, c'est une Corvette, ok, cool. Aïe, on voit la tempête de sable au bout. On l'avait vu dans les trailers qu'il y avait des tempêtes de sable. Wow. Je vais suivre la tempête. Toi, vas-y, d'accord. Continue. Ah. Hop, on va rembobiner un petit peu, juste pour voir un peu l'effet. Ah, ou ça va que jusque là? Rembobiner plus. Rembobiner encore plus. Allez, on va reprendre ici. Ah d'accord, on va filer direct dans la tempête de sable. Cool. Wow. Dans l'œil de la tempête.
est incroyable l'intro. Bah, comme toute celle de Forza, je crois. Enfin, en tout cas, déjà dans le dernier, elle était incroyable. Okay, et on continue. Un signal, 5, 4. Où maintenant? Ok. ça risque de secouer un peu. Tonnerre dans la jungle. Atterrissage Porsche. Réussi. Même pas une rayure. À nous la jungle. Eh ben, y a pas à dire, c'est beau. Les flammes roses. Par contre, je vais passer en mode performance pour avoir les 60 images. Ça serait un peu mieux, je pense. On va se finir l'intro en mode super beau, mais on va réduire un petit peu. Y'a un pont? J'ai pas vu. Ah oui, y'a un pont à gauche. Ah mais il va passer sous le pont. Merveilleux. Quand tu vas voir ça, tu vas pas en croire tes yeux. Continue. Nice. Il y a du de Mio. C'est peut-être pas celui-là. Allez, l'autoroute vers l'horizon. Ah, on va voir la voiture qui est sur l'affiche. Tout le festival nous attend. Il me semble que c'est une Mercedes, enfin une AMG. Go. Ouais, c'est ça, c'est l'AMG. Et c'est parti! Qu'est-ce que t'en dis? Le premier au festival gagne? On fonce jusqu'au festival! Ah ouais! Par contre, la diversité des paysages, c'est vachement plus impressionnant. Dans le 4, c'est vrai qu'on était en Écosse et c'était un type de paysage, mais. Vous êtes au Mexique! Allez hop! Les voitures qui tombent du ciel, c'est fait! Maintenant, tous les regards se tournent vers la superstar qui arrive au festival en ce moment même! Ah, elle est super sympa à conduire, cette voiture. Vivement qu'on puisse l'arracher. Si vous débarquez à Horizon Mexico, vous allez adorer. Préparez-vous à la plus grande aventure Horizon de votre vie. Hop là. Facile. Allez, plus de 300 km/h. Bouclez votre ceinture, Horizon. J'ai déjà vu ce pilote en action et croyez-moi, il sait soigner ses entrées. Allez. Nice. Alors, voilà la miniature pour la vidéo, la première vidéo. C'est une McLaren quoi. Non, ça c'est une Mercedes. Ouais. Mercedes AMG One. C'était la première journée de notre grande fête mexicaine, les amis, et ça ne fait que commencer. Maintenant, préparez-vous à accueillir notre superstar numéro 1 à Horizon Mexico. Premier succès. Ah, on va faire le pilote. Ok, bah c'était cool comme intro. C'est une vraie fiesta.
Alors, on va aller assez vite, hein, parce que en soi, c'est l'un des meilleurs de toute l'histoire du festival. Enfin, un perso qui te ressemble, ouais, mais il n'y a pas grand choix. Donc, je vais être un petit peu limité, on va dire. Il arrive encore quelques secondes et vous allez le rencontrer. On va prendre lui. Celui-là, oui. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont pas top, hein, par contre. En fait, je crois que j'aime bien la première. Là. Celle-là. Je vais prendre celle-là. Couleur. Les cheveux noirs. Prothèse. Je vais mettre des prothèses. Ouais, non. Identité sera un heal. Et la voix. Test, test. C'est superstar, ça va. 1, 2, 1, 2. C'est le son de ma voix. D'accord, il y a un homme, une femme. Ok, on va prendre la voix d'homme. C'est parti pour ça. On fait du bruit pour Thomas. Ah, il s'est rappelé du prénom que j'avais pris dans le premier, enfin dans l'ancien Horizon, parce que là je lui ai pas dit. Ah, ou alors il a pris le nom sur mon compte Microsoft. C'est possible aussi qu'il fait ça. Bref. Hé, camarade, quand t'as sauté de la soupe de l'avion, à quoi tu pensais ? En fait, j'essayais surtout de pas y penser. Jamin m'avait dit de m'attendre à du lourd avec toi, mais rien d'aussi... d'aussi... spectaculaire ? Oui ! Ellie, j'ai des tas de trucs à te montrer. Des collines, des déserts, la jungle, des pyramides, toute la beauté du Mexique. Hé, au fait, c'était parfait ta prononciation. C'est mieux. On a fait un mélange entre un avion américain et un avion père. D'accord. Tu vas avoir besoin de ça. Je promets rien. C'est à toi, non ? Ton vol s'est bien passé ? Pas mal. La procédure de sortie était un peu brutale. Ouais, j'imagine. Bien. Ramiro s'occupera de tes expéditions, je coordonne la logistique du festival, ce qui nous laisse... Cousine ! Viens ! Fais gaffe à qui t'appelle cousine, petit cousin. J'ai vu ce que t'as fait au Royaume-Uni. On va créer un gang. Alejandra, ça ? Si ce qu'on dit sur tes compétences en mécanique est vrai, j'en doute pas. Ah, en parlant de ça, la livraison est arrivée ? C'est arrivé ce matin. Yes ! Waouh, trop cool ! Sacrée collection, t'as du goût. Je vais les amener au garage. Mais laquelle tu veux sortir en premier ? Ah, on va commencer par une de ces voitures-là ? Ah bah c'est bien, on commence pas par une Ford Focus ou un truc comme ça. Alors, on a le choix entre la Chevrolet Corvette String Grey Coupé, le Ford Bronco ou la Toyota GR Supra. Je vais prendre la Corvette. Une Corvette, c'est toujours un bon choix. Ouais. Du lourd dès le début, c'est un peu ça. Elle est sympa quand même. Ça sera la Corvette. Super. Et une plaque d'immatriculation personnalisée. J'aurais fait le même choix. Ouais. Proche. Bon, 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai assez pour faire. Si je peux mettre des choses sur le dernier. On peut avoir le pop-up. Ce qui me va très bien pour ma plaque d'immatriculation. Ok, avec un. Ça va, j'ai juste le nombre de caractères pour la plaque. Allez, la plaque pop-up, c'est parti. J'amène tes autres voitures au garage. Comme ça, je passe un peu plus de temps avec elles.
Salut Thomas. Je sais que tu viens d'arriver, mais le premier rassemblement est prêt. Il nous manque juste une superstar. Attends, on va regarder un peu la carte. Ah, c'est immense. Parce que là, c'était l'endroit où on était au début. Je crois que c'est ça le volcan. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des villes. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Ah, je peux zoomer un peu. Ok. Ah, mais ça va loin, quoi. En gros, on fait d'une côte à l'autre du Mexique, en fait. Donc la caldeira avec le volcan. Je suppose que c'était là qu'on était au tout début. Puis après, il y a la jungle et tout. Ouais, ça devrait être sympa. Je sais pas ce que c'est que ça, par contre. Ah, c'est des cultures, peut-être. Ok. Allez. Eh ben, ça bat de l'aile. Ok, j'ai l'impression qu'on va se battre directement contre un avion. J'espère que t'es en forme. Oh, je suis prêt depuis longtemps. J'arrive. Et allez, c'est parti, 2,5 km pour rejoindre l'épreuve. Salut tout le monde, c'est Scott Tyler sur Bass Arena. Le Festival Horizon a officiellement commencé et ça s'annonce géant. Pour commencer, notre superstar est là. Et s'attaquer à notre nouveau rassemblement. Alors, prêt pour le grand décollage, amigo? Aïe. Chewy. Ça commence bien. Quoi, t'as besoin de moi là? Wouhou! Trop génial. Horizon, grande nouvelle, je dois y aller là. Genre maintenant, hein. Attendez-moi, les copains! Attendez-moi! Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs déjà sur le jeu, parce qu'on voit des voitures qui font un peu des zigzags. Allez, c'est parti, premier rassemblement. C'est quoi, c'est des motos ça, non? Ah, on a quoi? On peut faire l'escorte? Pour commencer? Ok. Il y a un paramètre pour enlever les flèches au sol par curiosité? J'en sais rien. Je sais pas trop ce que prépare ton prochain adversaire de rassemblement. Apparemment, il y aurait des surprises pour toi dans la soute de l'avion. Ah bah, peut-être pouvoir voir d'ailleurs là. Difficulté. En moyen, très bien, ok. Nouvelle standard, trajectoire complète. Non, on va mettre juste le. Non, pas de trajectoire. J'aime mieux sans. Ça sent pas mal le son et ok, ça c'est très bien. Ah, il faut que je redémarre le jeu. Juste pour changer de mode, pour passer sur le mode performance. Ça va me permettre de voir en plus s'il y a une grosse différence ou pas entre le mode performance et le mode qualité. Il faut que je regarde aussi comment je change la radio. Faites demi-tour dès que possible. Ok, je vous entends jusqu'à l'épreuve par contre. 2,8 km, ok. Ah mince, c'est du rewind. C'est l'heure du rewind. Non, c'est pas sûr. Hein.
Ah. Ça va être quoi la touche pour changer de radio par contre. J'ai pas l'impression de voir énormément de différence, un petit dans peu mais léger entre les deux modes. Hein. À destination. Sauf que là il y a moins de lag. Enfin, pour moi c'est mieux. Ah oui. Je suis pas en mode automatique. Donc on a la Ford Escort et a priori du coup ça va être contre un avion. Première course. Horizon présente sa bat de l'aile. Et c'est parti. Ah oui, donc on se bat bien contre un avion. Ils savent pas quoi inventer. Qui vous parle en direct d'un avion. Mais oui, ma petite dame, je suis dans les airs. Oh, j'ai une petite dépêche, moi. Allez, ce coup-ci, on met le paquet sur notre superstar. Pilote, à droite. Non, j'ai changé d'avis. À gauche. Même les pilotes d'avion à horizon, c'est des fous, hein. Ah oui, alors par contre, pour ce genre d'épreuve, avec sans les flèches, c'est plus compliqué. Ça va, a priori, il nous attend un peu quand même. Quatrième. Hey, il y a qu'un avion. Vous voulez que je la ferme et qu'on continue? Ouais, c'est qui ça le plan? Ah d'accord, il y a deux boutons. Ok. Atterrissage, allez les motards. Ça, c'est de la course horizon. Notre pilote superstar contre des motards déjantés. Ouais, ça freine. Aïe, je suis vachement planté là. Salut Shepard, bienvenue, comment vas-tu? Ça va bien et toi? On a perdu un motard! Ouais, mais s'il coupe... Bienvenue, on est en train de se battre contre un avion et deux motos pour l'instant. Histoire de bien commencer le festival horizon. Alors je vois... Ah!
Dieu, c'est quoi ça? Ouh. Et c'est quoi? Nice. Un wingsuit. Ah, il y a un wingsuit. Allez. Dernière ligne droite et il fonce toujours. Nice. Il a ralenti juste avant en ouvrant son parachute. On termine premier. Cool. Ouais, je pense pas qu'elle était facilement perdable celle-là. Ça va bien? Bon bah tant mieux. Bienvenue en tout cas chez Pard. On s'éclate pour l'instant sur ce début de Forza Horizon. On a battu l'avion cargo. Mais quelle course! Oh, c'était dingue! En guise de remerciement, tu peux garder la voiture. Bah nice. Parle de toi et mon téléphone déborde de messages. Ok, retourne au festival. Si tu peux me retrouver au festival, on en lira quelques-uns et on discutera de ce que tu veux faire pour la suite. C'est bon. Merci, Hayley. À bientôt. Du coup, c'était quelqu'un en wingsuit, à moto, dans un avion cargo. C'est bien ça? Non mais, je préfère vérifier avant d'envoyer un message à mes potes à la maison. Oh, et je rajoute un gros emoji étoile pour toi, superstar. Et envoyé. Et nice. Maintenant, un peu de Foo Fighters. Hop là. À gauche. Vous avez remporté un point de prouesse. Nice. Dans 400 mètres, tournez à droite. Oh là, c'est quoi ça? Vous pouvez utiliser votre point de prouesse ici pour déverrouiller des avantages. D'accord. Chaque voiture possède son propre ensemble d'avantages, offrant des bonus uniques. Les points de prouesse peuvent être dépensés sur n'importe laquelle de vos voitures. Ok, bon, en toute humilité, posséder cette voiture va apporter instantanément 3000 XP. Ok. J'ai reçu deux demandes. Il nous faut à chaque fois un pilote expérimenté. Ça t'intéresse? Bah oui. Mon ami Carmen veut photographier des tempêtes dans la région. D'accord. Elle a besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller en tout terrain. Quant à Alejandra, elle est à la recherche d'une vocho disparue il y a bien longtemps. Il reste un peu de temps avant la prochaine grosse épreuve. Tu vas contacter qui en premier? Alors, la vocho Alejandra a besoin de vous pour retrouver une vieille voiture. Donc ça, tu ça va que être. Ça le fera au niveau du temps? Je peux m'occuper de l'autre plus tard. Bien sûr. Après tout, c'est mon boulot de m'en assurer. Alors, je pense qu'on va aller prendre la nouveauté, parce que ça, j'ai l'impression que ça va être la recherche de vieilles voitures. Ça ressemble à une coque. J'ai envie d'aller essayer plutôt la photo dans la tempête, quand même. On voit un petit peu tout ça. Je vais aider Carmen. Compris. Je vais dire à Alejandra que tu l'aideras plus tard. Ah, attendez, juste un truc. J'aimerais... Une nouvelle voiture à récupérer. Une voiture a été ajoutée à votre garage. Très bien. Collection de voitures. Hola amigo, voici l'ensemble des voitures qui t'appartiennent. Comme tu peux le voir, il t'en manque encore quelques-unes. Il va falloir faire quelque chose. Ah ouais, il y a toujours beaucoup de voitures. D'accord, ok, on va s'amuser un petit peu. C'était pas ce que je cherchais. Hein. Les packs de voitures. Moi bon, j'en ai déjà d'autres du coup, parce que j'ai le season pass du coup, donc j'ai des voitures supplémentaires que... qui sont disponibles dans les packs. C'était pas ça que je cherchais. Alors c'est que c'est pas cette touche là. Ok, donc ça me ramène à la carte. Comment je vais sur le menu? Hola mi amigo. Hayley m'a dit qu'elle a trouvé un pilote qui n'a... Désolé, je cherche encore les touches. Tu as déjà suivi une tempête de sable mexicaine? Ça sert à rembobinage, j'ai déjà fait. Non, mais je crois que ça va pas tarder. Euh,
Alors, en fait, j'aimerais bien trouver comment faire la chose, mais je trouve pas. Donc bon. Voilà, après. Allez, on va aller voir la. Dans 100 mètres, tournez à droite. Wow. Ouais. Vous avez atteint votre destination. Le camion. Les premières impressions, t'en penses quoi? C'est sympa, hein. Mais bon, ça, j'avais pas trop de doute là-dessus. Non, tempête. 8 minutes 20 pour vous faire pour avoir les 3 étoiles. Ah, par contre, j'ai l'impression que la formule change pas beaucoup c'est par rapport à Forza, Forza Horizon 4. Ellie m'a demandé des photos mais de toutes les voitures magnifique. Du festival pour la promo Horizon. Et il nous faut bien sûr des clichés illustrant la vitesse. Je peux aller vite. C'est parti. Pour la promo Horizon, il suffit de prendre une photo de la voiture. Mais autant pimenter un peu les choses. Cap sur la tempête pour trouver l'emplacement idéal. Nice. Ok, ok, voilà le virage. On dit qu'il se passe des choses étranges pendant une tempête. On raconte qu'une exploratrice s'est même perdue et qu'elle s'en est sortie qu'après avoir découvert une énorme statue près de la côte. Ce n'est qu'une légende, bien sûr, mais on pourrait essayer de la trouver. Si je peux conduire cette voiture au cœur de cette tempête, je suis partant. Mode photo. Ah ouais, il y a carrément, il y a tout un mode photo. Non. Ça a pas marché. Alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Je veux bien faire une photo de la statue, c'est pas un problème, mais. Ok, je comprends pas ce qu'on fasse. Je sais pas trop pourquoi il veut pas que. Je sais pas trop ce qu'il veut que je fasse en fait là. Ah bon, je sais pas trop pourquoi il a pas voulu tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, la photo est faite. Je vais peut-être pas être tout à fait bien placé dans la cible. C'est...
C'est incroyable. Les photos sont magnifiques. Mais il n'y a pas de statue comme ça dans les environs, normalement. C'est peut-être la tempête qui l'a mise au jour. Ouais, c'est sûrement ça. Je vais envoyer ces photos à Ellie. On devrait se refaire ça un de ces jours. Je te ferai signe. Bon, on va dire que la première, c'était assez simple. Salut Thomas. On a lancé tout un tas de nouvelles épreuves. À toi de jouer. Fonce et montre-nous ce dont une superstar est capable. Tout ce que tu fais peut te rapporter des distinctions. Vois ça comme des mini-défis liés aux courses, aux cascades, à l'exploration, etc. Une fois que tu auras assez de distinctions, on pourra s'étendre et lancer un nouveau chapitre de l'aventure Horizon. Alors, d'accord. Tu veux commencer par quoi ?